Aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup de confiance dans notre groupe et là, on est venu à Minsk, on s'est déplacé ici pour continuer cette série. C'est pas une grosse équipe de Biélorussie, c'est pas une équipe que nous, on doit avoir peur. Mais bon, déjà, ils sont qualifiés au dernier tour, même si c'était au pénalty, ils sont qualifiés, ils y sont, il faut pas les prendre à la légère. De l'autre côté, nous, on se prépare comme c'est notre... finale des finales, voilà, parce qu'il faut, il faut les prendre surtout en sérieux. C'est une équipe typique de l'école, vieille école russe, qui se bat sur le terrain, qui rentre dans les duels. Il y a beaucoup de physique dans l'équipe. Mais bon, ils souffrent le moment quand l'équipe adverse commence de jouer un peu plus vite. Ils ont des problèmes et c'est ça ce qu'on va essayer ce soir de faire. On a vu qu'en dernière période, il n'y a personne qui figure sur le poster, comme le coach il disait. Donc on a une vingtaine de joueurs qui sont capables de jouer en n'importe quel moment. Et là, les joueurs ils sont conscients qu'il y a une grosse concurrence et que seulement si on se donne à fond, ça va leur permettre une chance à jouer sur le terrain. C'est ça. Donc là, ils ont bien compris le message, ils se donnent à fond. Et bien, ce soir, on va voir les jeunes joueurs qui vont avoir une chance à se présenter et montrer bien qu'ils sont capables d'y être.